peut dire que c'est quoi la liberté. On peut comprendre, intellectuellement. Mais est-ce qu'on a déjà été libre? On peut dire c'est quoi aimer, aimer, aimer. Intellectuellement, on le sait. Mais est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on sait c'est quoi aimer? Est-ce que nous, les hommes, on sait c'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Parce que dans notre petite coquille, comme on vit tous les jours, on ne sait pas c'est quoi aimer. On sait seulement moi. Moi, j'aime moi. C'est tout ce que je sais faire. Alors quand on réalise que toute notre vie, on s'est leurré. Et on nous a dit, ben, aimer, ça veut dire prendre de l'autre là-bas qui nous donne quelque chose. Tu vois une chérie ou un chéri, tu dis, ouh, qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il est merveilleux. Et tout d'un coup, tu te surprends à dire je l'aime. Mais tu n'es pas en train de dire je l'aime. Tu es en train de te dire, donne, viens chez moi, je suis pitié, je suis seul, j'ai besoin de toi. On ne sait pas c'est quoi aimer. Aimer, c'est quelque chose de bien plus subtil que ça. Notre société nous a appris que si on n'est pas jaloux, on sait pas, on n'aime pas. Souvent des gens disent ça, j'entends dire ça. Hein? Mais c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Parce que la jalousie, c'est tu as peur de perdre la chose que tu as gagnée. Hein? Eh bien, tu mets une propriété privée autour, tu sais, tu mets des clôtures, tu dis, ça sert à moi, ça tout... C'est aussi vrai parce qu'on se demande, est-ce qu'on aime-t-on sans intérêt personnel, sans condition, sans rien attendre en retour? Ouais. C'est la question à se poser. Est-ce qu'on est véritablement sincère ou c'est juste pour se satisfaire soi-même, personnellement? Où aime-t-on vraiment sans... quand on parle de l'amour véritable, est-ce que ça existe ou c'est que, comme tu dis, un leurre, encore une fois, ou un mensonge qu'on se raconte à soi? Aimer son prochain, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est donner sans rien attendre? C'est une grande question. Oui, pardon. Pour moi, ça serait plus un partage. Et quand on partage tout, oui. Tu peux être dans le couple ou amitié, oui. Mais ça reste de l'amour, ça reste aimer. Oui. C'est pas obligatoire d'être, dire que c'est notre propriété, quoi. Ça nous appartient. Si oui. Un ami, ça ne nous appartient pas, mais on l'aime quand même. Oui. Oui, mais sans intérêt, ça veut dire que cet amour a une autre nature. Et il n'y a plus celui qui veut dedans. Tu vois, celui qui veut avoir des amis, qui est seul, qui veut quelque chose. À partir de ce moment-là, il y a un intérêt. Pour combler la solitude. Pour combler la solitude, comme tu dis. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si l'amour, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas mon amour, ni ton amour, ni son amour. C'est l'amour. Comme le soleil, c'est pas ton soleil, mais le soleil. Ça nous appartient pas, ça. C'est quelque chose qui coule en soi à partir du moment où cette coquille qu'on parlait tout à l'heure, l'individualisme, à partir du moment où on est libre, à partir du moment où il n'y a plus toute cette confusion-là, il y a cette chose qui coule. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'objet. L'amour n'a pas d'objet. Ça, c'est ma femme, mon mari, je t'aime, toi. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il va aimer. Il aime, c'est tout. C'est l'amour. C'est aimer. Comme tu aimes l'oiseau, tu aimes la branche sur laquelle il est, tu aimes le ciel et les étoiles, tu aimes la terre. Tu dis pas c'est la terre de mon pays. Tu aimes la terre. C'est ça, aimer. Mais nous, on aime à condition que je sois bien, à condition que, tu vois, je puisse avoir aussi un petit intérêt. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on est prisonnier de ce genre d'amour qu'on cultive.
Et tant qu'on cultive cet amour, eh bien, on aura toujours des drames. Parce qu'elle m'a quitté, parce que ceci, parce que cela. Hein. Et les drames qu'on fabrique, en fait, c'est juste parce que on a cultivé ce sens d'intérêt. Donc, l'idée, est-ce que ce ne serait pas de sortir de ce petit sens d'intérêt et de voir comment la vie, elle serait si on n'est pas là-dedans? Ça, ce serait un voyage à faire chacun d'entre nous.